Previously on. La série qui a le beau vert, c'est l'Amérique. Parce que quelque chose là-bas va se passer. Quoi ? La suite dans le prochain épisode. Bonjour à vous, chers auditoires. C'est Mister Moustache en direct de Diversity. Et je suis en compagnie d'Overspace, le pro chevalier Overspace. Bonjour à toi. Oh, bonjour à vous, moustache, elle est bien modelée aujourd'hui. Elles sont bien molles, comme disait le roi. Non, il disait pas ça, le roi. Quand on s'était quitté, on était devant la forêt de la lamentation absolue. Ouais. Avec Overspace, on était geared up pour aller tuer et savater le prince des ténèbres. Voilà. qui voulait notre mort et la mort du royaume. Apparemment, c'est ce qu'il fallait croire de la légende, et donc on allait s'aventurer dans ce chemin. Est-ce que tu es prêt, Overspace? Je suis prêt, juste une petite pensée pour Selecti, on a oublié sa minute oui, de silence. Oui, c'est vrai. Petite pensée pour Selecti. Ah, des bisous, forcément, de l'amour. Voilà, c'est allons-y. Bon, faut pas non plus exagérer quand même, hein. Bon. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Oh, regarde le ciel, il s'est assombri. Mon dieu. Oh, mon dieu. Cette forêt est sombre. C'est maudit. Oh, ah, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est vraiment la forêt qui est maudite, quoi. Oh, mais c'est génial. Attends, mais y'a pas d'autre chose dans cette forêt? Attention, y'a peut-être du sang de licorne. On dit que les gens qui boivent le sang de licorne, ils laissent leur âme. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un anneau quelque part. Eh oui. Bilbo, sac est... De cul-de-sac. Non, mais écoute, moi je suis en train de faire Naruto, là, et y a rien, hein, même pas des écureuils dans ces arbres. Bon. Même pas une araignée ou quoi que ce soit. Bien, fort dommage. Ouais. Cette forêt était donc un leurre. Ça. Et on aperçoit en face le château de Bowser. Oui. Le stage final. C'est ça. Sans doute le sombre castel de du Lord Shadow. Bonjour à toi, okay. Jeune Pégu. Hi. Je suis un pancarte. Je suis un fabricant de pancartes. Voilà, attention. The Ricti, alors je sais pas ce que ça veut dire Ricti, mais c'est le... non, ma voix part en couille. Le pont de la terreur. Oula oui. Ah oui, ça... Oula. Oula. D'accord, un gouffre sans fond. Oula, quelques-uns ont osé marcher dessus, mais ils en sont morts, mon dieu. Fais attention quand tu marches. Oui. Pas qu'on tombe. Oh. Il craque. Oh. Il craque sous nos pieds. You're lucky. I'm over here and you're over there. Ok. Un zombie qui nous parle gentiment, c'est assez... D'accord. D'accord, il y a des zombies partout. Oula. Et ils parlent notre langue. Ok. Ce n'est pas crypté. Non. Apparemment, on a le décodeur zombie plus. Sans doute caché dans nos poissons qu'on a pêchés juste avant, tout a un sens. Qu'est-ce que vous voulez? Partez. Non. Ils sont pas très amicaux, ces gens. Non, c'est clair. Reculez. Ah mais d'accord, mais il copie le roi le Steve le Bon, là. On ne vous veut pas ici. Est-ce que c'est la laine qui a provoqué tout ça? Faites demi-tour. Demi-tour. C'est une terrible tâche. On ne vous croit pas. Ok, on va parler à Sœur Shadow le Grand, là, ou Ombre le Grand, je ne sais plus comment il s'appelle, Zombo. Attendez, ne me tuez pas. Écoutez ce que j'ai à dire. Le roi est un menteur. Son vrai nom est... Steve le méchant, le diabolique. Le cruel. Vous n'êtes pas le premier à venir ici. Steve le cruel n'abandonne jamais la sainte laine orange pour gagner son pouvoir. Il vous attend sans doute raconter des légendes fictionnelles de fiction. Fastidieuse. Fastidieuse. À une réponse à une prophétie. La vérité, c'est que nous ne sommes pas des zombies du tout. Oh, le roi nous a maudits. Oh. Avec la laine maudite. Quoi? Il a le pouvoir de faire apparaître... Oula, il a le pouvoir de faire apparaître quoi? Je ne sais pas. Ah, as appear as such... Ah oui, de nous faire apparaître de telle sorte que personne ne nous croira. Oh. Il va indubitablement... Pas mal. Essayer... Betray, ça veut dire quoi, ça? De nous trahir. De nous trahir, d'accord. D'accord. Et si on fait ce qu'il nous a demandé,
Il me raconte son speech, mais un truc de dingue là. C'est vrai qu'il a préparé son mensonge, le beau gars. Écoutez le roi diabolique. Does not know that we have found. Oui. Ah d'accord, il ne sait pas que nous avons trouvé un moyen de récupérer la sainte haine. Il y a un passage souterrain. Waouh. Mais nous n'avons pas de chance parce que. À cause de tous les dangers. Je vais vous faire un marché. Ramenez-moi sa tête. Et je vous donnerai accès au passage secret. Coupez-moi cette. Affreuse tête, c'est ça? It on the storage? Ouais. Ok. Ramenez-moi sa tête affreuse dans mon coffre, à ma gauche. Hey, seulement à nous, dit la vérité. It's not like we are gonna eat your brain. Ok, c'est pas comme si on allait manger votre cerveau et qu'on nous regardait... Excusez-moi pour cette fin de traduction un peu désastreuse. Ouais, non, mais en gros, ils sont des traîtres, quoi. Ils le disent à notre figure, quoi. Très bien. Donc, d'accord, et donc là, il faut mettre la tête du roi Steve Lebon. Si on a choisi de le tuer. Qu'est-ce qu'on fait au verspace derrière ce choix draconien? Eh ben, déjà, on peut fouiller un peu les coffres. Avant je tout, pense hein, qu'il n'y a, il y a rien dans ces coffres. Là, il y avait des carottes. Ouais, des carottes. Oh, magnifique. Oui. Est-ce qu'il y a les mêmes... Est-ce qu'il y a even... Evil Fox? Ah, il n'y a pas Evil Fox. Non. C'est dommage. Oui, ça aurait peut-être été plus correct de dire Hell Fox plutôt que Yvette Fox. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? Il n'y en a qu'un seul ici. Ah. Ouais. Mais tu vois, je pense qu'ils ont une âme parce qu'il a dit que c'était beau. C'est vrai, c'est vrai. Alors là, on est un peu dans un cas d'école de fable. Concrètement. C'est-à-dire faire le bon, faire le bien ou faire le mal. Quoi. Voilà, mais on ne sait pas qui fait quoi. Exactement. Nos camarades. Our comrades keep dropping these things. Ah, oh, d'accord. En fait, dans les coffres, il y a ce que leur compagnon arrête pas de faire tomber, donc des pommes de terre. Ah, des pommes de terre. Et des carottes. Très bien. Et donc là, en haut à l'étage, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais savoir s'il y a une bonne blague aussi. Oh, des épées en or. Allez, hop. J'en prends une. Est-ce qu'il y a une blague de zombie? Wow. C'est rigolo ou pas une blague de zombie? Nous ne sommes pas vraiment des zombies. On ne fait que leur ressembler. Ouais. Voilà. C'était plus facile de faire la map de cette façon. De cette façon. Bon. Très bien. Bon, que fait-on, Overspace? Soit on se tape deux allers-retours, ouais. soit on bute lui et puis on fait qu'un aller-retour. Qu'un aller. Ben moi... Au niveau du choix, qu'est-ce que tu penses qui serait... Moi, je pense... Qui nous raconte de la grosse merde, là, le seigneur des ténèbres obscures. Eh bien, soit. D'accord. Moi, je le trouve un peu louche, quand même, hein, l'autre roi, là. Il s'appelle Steve Lebon. Déjà, il s'appelle Steve. Aïe. Alors, en plus, ouais, en plus, il y a les Minecraft qui le protègent. C'est vrai que c'est plutôt... Allez. Non, 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 au contraire, alors c'est... Tu as raison. Non, non, non. C'est parti. Il faut exécuter ce bougre. Oh mon dieu, il ne fait qu'employer de la vermine. Qu'est-ce que j'ai fait? Longue vie à ah non. Mon dieu. Eh bien soit, nous verrons si oui ou non. Tu as fait peser la balance. Je suis dans la forêt des ténèbres, hein. Je ne sais pas si tu... Écoute, je te talonne. Tu me talonnes au pas? Je te talonne au pas. Parfait. Hop. C'est vrai, ah oui, attention, le... exactement les mêmes châteaux quand même. Ouais, non, mais ils se font pas chier, hein. Ils se sont copiés. Non, mais ça, c'est sûr, ça doit être une histoire de frères consanguins qui ont perdu au loto, je sais pas. On est dans le Nord. Une histoire sordide. Voilà, on est dans le Nord. De toute façon, on est dans le Nord, on a bien situé la géolocalisation de l'histoire. Vous nous avez menti. J'allais crever. Ouais, mourrez. On aura votre tête. Superbe, je te laisse la tenir, hein. Moi, ça me donne envie de vomir, tout ce genre de choses. Ok, je l'ai prise. Je la tiens dans ma main. C'est vrai que ça pue. J'ai vomi dedans, mais je pense que ça ira. Super. Oui, oui. Tu tiens le coup. Eh, hey, petit jeu de mots. Laisse-y. Non. Pour la peine, je vais lui rendre hommage. Ah non. Oui. Enlève-moi ça. Non. Tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits. Mais non. Allez.
Bon, c'est parti. Voilà, tu sautes et jump en même temps. Ah mais oui, mais moi je suis un prof... Comment il s'appelle? Évidemment. Kakashi-sensei. Oh là là. Et oui. Tu mets du mauvais goût dans cette série là. Non mais le skin de Itho, c'est Kakashi-sensei. Parfait, le mec il a pas d'imagination, il a pas pu se faire un skin lui. C'est ça. Bah toi non plus d'ailleurs, hein. T'as volé ta moustache à banana je crois. Hein. J'ai pris la moustache sur un skin sur internet. Ouais, ça va, c'est pas le débat, merde. Ma moustache, je me la taille comme je veux. Oh, je me la taille comme je veux. Faut bien garder cette phrase dans le bon contexte. Hein. Bien. Bien sûr. Allez, dépose la tête de Steve. Toute amitié, bien entendu. Oui, dans le coffre sacré de la noirceur. Voilà. Merci. D'accord. Ah vas-y, traduis, vu que okay. Tu es bilingue maintenant. Mon troisième œil. Quoi? Attends. Quoi, mon troisième œil? Mais n'est pas si mauvais, ma vision n'était pas si mauvais. Donc, j'assume que c'est bien la tête du roi. Vous trouverez le passage secret ouvert en bas sous le pont de la terreur. Je crois qu'on a vraiment bien fait de le croire, hein. Tu crois? Oui. Ça me rassure. Et puis je sais pas, c'est peut-être un piège, hein. Bah, de toute façon, on est sévèrement burné. Oui, on est sévèrement paré à la rigolade, là, s'il y a une fête surprise. Comment on descend? On retombe dessus. Par la gauche, je dirais. Par la gauche? Par la gauche. À gauche, dissimulé dans l'ombre. C'est parti. Yaaah! Bon, c'est sous le pont de la terreur, mais y a rien sous le pont de la terreur. Si! Waouh! Super bien dissimulé! Excellent! Une cachette que nul homme n'aurait trouvée. C'est ça. Oh, mon Dieu. On est accueillis. Oh. Est-ce qu'on peut vraiment croire celui-là? Oh, mais c'est génial. Apparemment, on n'est pas les premiers. Waouh. Décapiter les étrangers paraît être la bonne méthode pour leur faire confiance, en gros, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est bon de vous voir de notre côté. Bonne chance. Merci. On est tombé dans une cour des miracles, là, en fait. Un truc un peu bizarre. C'est ça. Ok, on a éclairé presque toute la caverne. Jusqu'à ce qu'on ait rencontré quelques problèmes. D'accord. Une ancienne porte, juste après le pont. Ok. D'accord. Okay. De la merde, celui-là est possédé. Ah, il se rappelle plus du goût des cranberries, le pauvre. Oh. Okay. Je déteste les creepers. Ils ont été capables d'éclairer sous le pont. Oh, il y a eu des sacrifices. N'a pas été vain. Leur sacrifice n'a pas été vain. Oh mon Dieu! Échelles. Je prends des échelles. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Des TNT! Ah mais c'est des creepers! Oui. Man! Ah oui, moi aussi je prends des échelles. Hop. L'endroit est envahi de creepers. comment on du fait? Coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer de l'autre côté, tu crois? Hmm. Il faut descendre? Pour le moment, ça m'a l'air d'être une grosse arnaque, hein. Ah bah en fait, il faut juste passer de l'autre côté, tout simplement. Je pense, hein. Très bien. Bah on va faire ça de la manière... Oh. Ah. Mon Dieu. Ça secoue un peu les tibias, mais c'est bon. Attends, moi je vais descendre correctement, hein. Tu es barbare, toi. Oh. J'ai voulu jeter mon échelle, mais ça n'a rien donné. Très bien. Alors je la bâtis. Voilà. Et moi j'ai fabriqué un petit passage là, superbe. Superbe. J'arrive. C'est assez sombre en revanche, attention. Est-ce que tu as des torches? Non, personne n'a de torches. Non, je garde mon épée bien brandie. Je prends l'arc alors. Ouais, bande ton arc. Attention. Je bande. Je gravis quelques escaliers. Oups, j'ai entendu un bruit. Bon, ben moi je vais rentrer dans le donjon. Qu'est-ce que tu fais? Je frappe pour qu'on vienne les ouvrir. Ah bravo, mais quel code. Ok, j'active l'interrupteur. Et apparemment, nous arrivons dans un temple ancien. Pour ceux qui sont assez courageux et qui recherchent la laine orange, apparemment. Ouais. Three impossible trials away. Ah d'accord, on a trois défis impossibles qui nous attendent. Ça me fait énormément penser à Indiana Jones et Secret de l'Arche. On ferait mieux d'abandonner maintenant et de rentrer chez nous.
Non, pas du tout. Waouh. On est hyper courageux. Regarde-moi cet éclairage de dingue. Ouais, assez impressionnant. Regarde-moi cette énorme laine orange. C'est la laine sacrée. Oh. Épreuve 1. Avance dans... Okay. Au-delà de la du barrière. Mur incaissable. Du mur incaissable. Ok, énigme numéro 1. Prononcer l'élocution des situations de stress. Merde. Ok, superbe, on a réussi. Ok, c'était pas trop compliqué. Épreuve de passe à travers les flammes nending. Un ending, oui, les flammes qui ne s'arrêtent jamais. Les flammes éternelles. Waouh, tu aurais dû faire du cirque. Wouhou. C'est génial. Et là, ok, troisième épreuve. Ok. La grimpe. Cette échelle la... vraiment très haute. Très haute. C'est épuisant. Oh, je n'en peux plus, monsieur Frodo. Oh, j'arrête. Continuez sans moi. Poussez-moi. On va y arriver. Oh, mais non. Bonjour. C'est fermé. Ah, d'accord, non. C'est un peu haut. Génial. Attention à ne pas tomber. Et là, on est dans la laine sacrée. Waouh. Laine sacréception, en fait. Eh. Il y a ce bouton. Appuyons à deux, puisque nous avons accompli nous deux ces quêtes. Très bien. Prêt, Overspace ? Oui. Un, trois. Oula. Un. Quoi ? Quoi ? C'est moi qui l'ai eu ! Yay ! Ah, ça bug toujours. Mais moi, je bug jamais, c'est trop bizarre. Yay ! Superbe ! Ok, je l'insère dans ce trésor. Et normalement, on va débloquer l'aventure. Analyse item. Stand back. Yay ! Eh, pas mal ! On est... plutôt doué. On s'en sort pas mal, là. Il nous reste plus beaucoup de laine. Enfin, si, il nous en reste plus de la moitié, en fait. Mais je pense qu'on a bien avancé, quand même. Oui, et qu'on va pouvoir aller chercher la prochaine dans un prochain épisode. Exactement, cher auditeur. C'était Mister Moustache et Overspace en direct de Diversity. Je vous dis à très bientôt. Apportez-vous bien. À la prochaine.